Good morning, à la Yidane, les sujets aujourd'hui, le long Nishmat, Avram, Chayin, Robert, Ben, Fortuné, Mazal, Rahamim, Menroza, et Yedida Batester. Si vous souhaitez vous aider dans la prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Maseret Rin, Perek Bet, Mishnah, Hey! El, Pochatin, Mishishat, Laim, Amevukarim, Belishkat, Tlaim, Kedei, La Shabbat, Velishnei, Amim Tovim, Shel Rosh Hashanah, Omosifin, Adle Olam. El, Pochatin, Mishte, Chatzotzot, Omosifin, Adle Olam. אין פוחתין מתשעה כינורות, ומוסיפין עד לעולם, והצלצל לבד. On reprend le cours du chapitre Bet, du Perek Bet de Maseret Erchin, où on a dévié sur toutes sortes de domaines de la Torah où on aura des limites inférieures et supérieures à des mitzvot, comme on a découvert maintenant dans le Mishnah Aleph, Bet, Gimel. Dalet, c'est un petit peu autre chose. Et à présent, on va découvrir maintenant de toutes sortes de mitzvot où il y aura une limite inférieure, mais supérieure, on pourra faire ce qu'on veut, on pourra en donner autant qu'on veut. En l'occurrence, on commence avec le premier. En pochatin mishishat tlaim amevukarin belishkat tlaim. On ne diminuera pas moins de 6 moutons amevukarin qui sont déjà vérifiés belishkat tlaim, qui se trouvent dans la lishkat tlaim, non, je ne sais pas comment dire, dans le. La pièce, le cabinet des Tlaïm. Kedei, et la Mishnah continue, en me disant, Kedei, les Shabbat, Velishnei, Yamim Tovim, Shel Rosh Hashanah, suffisamment pour un Shabbat et les deux jours de Rosh Hashanah, Omosifin, Adle Olam, et tu pourras rajouter autant que tu veux. Et on explique un petit peu de quoi on parle. Tout d'abord, il y a le Sotana pense que, lorsqu'on va faire le Korban Tamid, vous savez que chaque jour on apportait. Quoi qu'il arrive, on apportait toujours un korban tamid au Beth Amidash, un le matin et un le soir. Ceux qui lisent le Vaïdaber avant la tfila de Shachrit ou avant la tfila de Mincha, là-bas, ça va être une israël dans le mettre korbani l'achmi le ishaï, et là-bas, tishmeru la krivle bemoado. La pasuk nous dit, vous le garderez pour me l'apporter, me l'offrir, bemoado à sa période. Ouais, un le matin et ta kavasachat aseba boker, un tu feras. Un mouton, tu le feras le matin, et le deuxième mouton, tu le feras l'après-midi, le soir, l'après-midi. D'accord ? Maintenant, il y a là-bas, on apprend une Xera Shava. En fait, sur le mot qui a écrit Bemoado, avec le fait que dans le Korban Pessah aussi, Bemoado. Dans le Korban Pessah, Hachem, il a prescrit au Bnei Israël de prendre le 10 Nissan, de prendre un mouton, de le garder pendant 4 jours, et de le gorger le 14e, le 14 Nissan, dans l'après-midi. On apprend de là qu'il a fallu faire ce qu'on appelle le bikour, la vérification. Il a fallu le vérifier qu'il n'a aucun moum, aucun défaut, et le préserver pendant 4 jours avant de pouvoir l'offrir. On apprend par Xera Shava qu'il en va de même pour les korbanot tamid. Il y a marqué là-bas le mot bemoado, ça fait une Xera Shava. Et on apprend que le korban tamid aussi, il faut pendant 4 jours vérifier qu'il n'ait pas de défaut. C'est-à-dire vérifier qu'il n'y a pas de défaut et le garder pour celui qu'on va porter le jour 4 jours d'après. Soit, si par exemple on est aujourd'hui mardi, donc mercredi, jeudi, vendredi, ce sera le quatrième jour, vendredi, eh bien il faut déjà avoir sélectionné dès aujourd'hui les deux moutons qu'on va porter vendredi pour le korban tamid du matin et de l'après-midi. D'accord ? Ça, c'est le principe du bikour. De ce fait, maintenant, la Mishnah m'enseigne que dans la Lishkat Atlaïm, il y avait un endroit, il y avait plusieurs pièces au Beth Amikdash des Leshachot. On aura l'occasion de se racheter dans le Sechet Tamid et Midot, surtout de parler longuement des Leshachot, des cabines. Il y avait toutes sortes de petits cagibis, ou des fois des petits enclos, de chacun selon la nécessité. Au Beth Amikdash, il y avait des tas et des tas et des tas de pièces. Là-bas, on gardait des fois des ustensiles, des fois des instruments de musique, il y avait des fois des couteaux pour faire la shrita spécialement, il y avait des pièces où c'était des mikvés pour aller se tremper, il y avait des pièces où les kohanim allaient se reposer, on gardait là-bas les habits des kohanim, tout ça on découvrira dans la chaîne pour en voir dans la Maseret Midot. Il y en avait une qui s'appelait la Lishkat Atlaim, il y avait une pièce où là-bas on gardait des moutons aptes qui étaient en train d'être vérifiés pour être offert en korban après 4 jours, c'était la Lishkat Atlaim, parce qu'on gardait les Tlaim. Un talé, c'est un mouton. Donc, la Mishnah enseigne que, sache que dans cette Lishkat Atlaim, il fallait jamais qu'il y ait moins de 6 moutons. C'est-à-dire, en fait, c'est pas 6, c'est 8. Sauf que tu en prends 2 le matin,
pour la journée, et tu veilles dans la journée à en rapporter deux. Donc, ça veut dire que même dans la... C'est-à-dire, en fait, il fallait, puisque j'ai besoin d'avoir 4 jours de mouton, aujourd'hui, demain, donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ça fait 4 jours, il fallait 8. Donc du coup, est arrivé maintenant le lundi après-midi, fin d'après-midi, on a porté le dernier corps de la nuit, on a déjà fait rentrer les deux moutons, deux nouveaux moutons, qu'on allait commencer à maintenant vérifier, qu'il n'y ait pas de défaut, comme ce qu'on avait appris dans les séries pro-rotes, qu'il n'y ait pas d'oreilles incisées, de lèvres incisées. Et comme ça, on avait au minimum toujours 8 à 6 moutons, c'est-à-dire, jusqu'à demain matin, on va en avoir 8. Le matin, on va en retirer 2 de là-bas, il va rester encore 6 pour la journée. Jusqu'à que dans la journée, on va venir en apporter 2 pour le samedi d'après. Et puis après, ainsi de suite, comme ça, d'accord? Donc, ce que la Mishnah enseigne, sache qu'il n'y aura jamais moins de 6 moutons dans la Lishkat Atlaim, dans la pièce où on gardait dans l'enclos, là-bas, où on gardait les moutons. Et en guise de se souvenir, pourquoi 6? Kedei le Shabbat velishnei yamim tovim shel Rosh Hashana. C'est pas réel, c'est juste pour nous donner un aperçu. Au même titre que, en fait, la Mishnah vient de m'enseigner, sache que tu dois avoir en supplément, en stock, que t'en es, comme si que tu allais rentrer maintenant dans Shabbat qui va être suivi des 2 jours de Rosh Hashana, et que donc pendant les 3 prochains jours qui vont suivre, tu ne vas pas pouvoir aller acheter des moutons parce qu'on n'achète pas des moutons en Shabbat. Donc c'est normal que le vendredi après-midi, tu vas te retrouver maintenant, le vendredi matin, en fait, tu vas te retrouver avec 8, donc tu vas prendre les 2 du vendredi, et tu vas te retrouver avec au moins 3 paires, donc 6 moutons, parce que tu ne vas pas pouvoir en acheter pendant Shabbat, tu ne vas pas pouvoir en acheter pendant le premier jour de Rosh Hashanah, ni le deuxième jour de Rosh Hashanah. Et bien, au même titre aussi, souviens-toi que je veux toujours que tu en aies 6 pour pouvoir couvrir les 3 jours qui suivront, en plus des 2 jours que tu as déjà pris pour aujourd'hui. Ok? Voilà pour la première partie de la Mishnah, et la Mishnah continue en me disant, maintenant, on me siffine. Adele Olam, et tu peux en rajouter autant que tu veux. C'est-à-dire, je t'ai pas limité à 6, 8, ou comme tu pourrais même en mettre 20 si tu veux, 30. Mais en tout cas, il faut en avoir au moins 6 que tu vas préserver pendant 4 jours pour vérifier, en vérifiant qu'il n'y a pas de défaut et tu les gardes comme ça. Ok ? Autre sujet maintenant. En pochatin mishtech atutsorot. Il y avait à toutes sortes d'occasions au Metamigdash où on sonnait de la trompette, en plus du chauffard. Il y avait au contraire, ça allait ensemble en fait, la trompette et le chauffard, ça allait ensemble. Ça dépendait si la mitzvah était de sonner de la trompette, des fois il fallait sonner de la trompette. Ou tkatem b'chatzotzot, comme on dit à Rosh Hashanah. Ou viom simchatrem uvmoa dechem, uvrashechot shechem, ou tkatem b'chatzotzot. La Torah nous a dit de sonner avec la chatzotzara. Alors c'est vrai qu'il y avait aussi du chauffard. Alors selon le cas, on commençait avec le chauffard et on laissait la trompette continuait, ou bien on commençait à sonner avec la trompette et le chauffard, puis après la trompette s'arrêtait, on laissait le chauffard continuer. C'était comme ça que c'était qu'on avait l'usage de le faire. Et donc, sache que lorsque je te demande de sonner de la trompette, sache qu'il faut au minimum 2 trompettes. Comme aussi fine ad leolam. Et tu pourras rajouter autant que tu veux. En réalité, le Bartonon rapporte que c'est quand même limité à 120. Jusqu'à 120 trompettes. Il y a eu Bémet, une situation, là, il rapporte dans Divra Yamim, Bet et Perek He, où là-bas, il y avait 120 Kohanim qui ont sonné de la trompette. D'accord? Et comme ça, on apprend là que c'est en fait la limite supérieure en réalité, même si la Mishnah n'a pas précisé. Donc pour la trompette, on a dit au minimum 2, au maximum, autant tu veux, ou 120. Idem encore avec En pochatin mitish a kinorot ou mosifin ad leolam. On n'utilisera pas moins de 9 kinor. Alors les kinor, on a déjà précisé hier. Kinor, c'est la harpe. C'est pas comme en hébreu moderne où. En hébreu moderne, on a Nevel, c'est la harpe, et Kinor, c'est le violon. Dans la Mishnah, dans la Torah, le Nevel, le Kinor, c'est lui la harpe, comme David Amener, c'est du Kinor. Et Nevel, on expliquait que c'était qu'on ne savait pas exactement ce que c'est comme type d'instrument à cordes qui a une caisse de résonance. Et entre parenthèses, on avait vu que le Tifat Israël rapportait que c'était. Il rapportait pialiné, en forêt, on s'est dit qu'avec ma femme, que c'était probablement pialiné. Et ça vient dans ce cas-là, on est tombé dans le violon. Probablement, en yiddish, peut-être que le vet, le fé, et le vet, c'est deux lettres qui se remplacent. Enfin, là n'est pas notre sujet de revenir sur notre Mishnah d'avant. Et on est revenu sur le kinor, le kinor qui est donc la harpe. Pas moins de 9 harpes. Pour moi, c'est fini, alors là, mais tu peux en rajouter autant que tu veux. Je ne sais pas si sur ça aussi ça a été limité à 120 ou bien réellement autant de harpes que l'on a. Vea tzilzal levad. Le tzilzal, c'était des cymbales.
ouais, qu'on tapait pour garder le rythme, donner le rythme, c'est comme la batterie, eh bien, sache que le tzitzal, il en fallait qu'un seul, il n'y avait pas deux. Il n'y en avait qu'un seul qui avait la cymbale avec laquelle il donnait le tempo. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.